Bonsoir à tous, nous sommes heureux d'accueillir les téléspectateurs d'Antenne 2, mais aussi ce soir, les auditeurs de France Musique. Avec l'Orchestre National de France, notre invité, Vladimir Ashkenazy. Et ensemble, nous avons choisi, pour commencer, le troisième mouvement du troisième concerto de Beethoven. Thank you.
Bonsoir. Vladimir Ashkenazy, vous êtes donc l'invité de ce grand échiquier avec l'Orchestre National de France. Vous venez d'interpréter le troisième mouvement du troisième concerto de Beethoven. Alors il est singulier peut-être de vouloir comme ça, dans une vie, être à la fois pianiste et chef d'orchestre. Et ce choix, vous l'avez fait peut-être pour ajouter des couleurs, quelque part, ou au piano ou à l'orchestre. J'ai toujours aimé l'orchestre, ça fait l'orchestre d'un petit garçon. Je crois que j'aimais l'orchestre plus que le piano. Alors, mais j'étais très talenté. J'avais du talent au piano, alors j'ai progressé vite. Alors, j'ai devenu un pianiste. Oui, mais il est rare quand même que l'on reconnaisse le talent et du pianiste et du chef d'orchestre. Bon, je ne pense pas de ça. Je fais ce que je veux faire, c'est tout. Je ne pense pas qu'on pense de moi. Oui. C'est difficile assez à jouer et diriger. Alors, vous avez commencé parce qu'en fait, votre père était accompagnateur. Oui, oui, il est. Il est. Il continue? Non, mais il continue de jouer? Oui, oui, oui. Il joue tout le temps. Oui. Il joue des choses traditionnelles, des romances de la vieille Russie, oui. avec très chanteuses, des chanteuses, oui, oui. Avec les femmes. Généralement. Alors, vous êtes né à Gorky et déjà à l'âge de 6 ans. Non, ça va très bien le français. Non. De toute manière, je vous ai prévenu, il y a la langue russe avec Nina et il y a la langue anglaise avec Claire. Donc, lorsque vraiment le français vous échappe un peu, vous savez où sont les ports d'attache. D'accord? D'accord, merci. Oui, je disais qu'à 6 ans, vous aviez commencé votre grande aventure musicale. On passe très vite sur les concours. Oui. On passe sur le prix de Varsovie, le prix Chopin de Varsovie. Oui. Mais une chose est importante, enfin un événement est important dans votre vie. Vous avez quitté l'URSS, vous avez quitté votre pays. Oui, c'est ça. C'est dommage, c'était un grand malheur, mais c'était nécessaire, je crois. Oui. Vous ne le regrettez jamais? Non, pas du tout, non. Je suis très heureux ici, dans l'Ouest. J'ai fait tout ce que je fais tout ce que je veux faire. Famille, merveilleuse famille. Alors, pas de regret. Si vous aviez habité en Russie, vous n'aviez pas de regret aussi. Une chose m'a étonné, nous avons passé quand même beaucoup d'heures ensemble. Vous préférez, alors que vraiment vous êtes resté quand même 20 ans en Russie, vous préférez la langue anglaise à la langue russe. C'est-à-dire que vous faites vraiment une différence entre la parole et la pensée. Quand je parle. Dans l'Ouest, oui, oui. Mais en Russie, quand je parle avec les gens russes, j'utilise russe parce que c'est la mentalité, c'est plus facilement expressé en russe. Mais avec les gens de l'Ouest, c'est such a distance, yeah, from the Russian mentality. So I prefer to speak English. Donc je préfère parler l'anglais parce qu'il y a une distanciation avec le russe, c'est trop compliqué, trop complexe. Great barrier between. Lorsque vous parlez avec Nina et que vous parlez en russe, ça va bien quand même. Je voudrais entendre cette langue. Il y a un plaisir que vous allez nous faire tout de suite. Vous allez rejoindre le piano. Et il y a l'opus 48 numéro 2, Nocturne de Chopin. Nocturne de Chopin. Puis-je dire pourquoi je voudrais jouer ça? Parce que j'ai obtenu le deuxième prix dans le concours Chopin à Varsovie, 55. Alors j'ai enregistré toutes les œuvres pour piano solo par Chopin. Alors si je ne joue pas Chopin ce soir, ce n'est pas juste. C'est scandaleux. Non.
Vladimir Ashkenazy, tout à l'heure, nous parlions de votre père qui était accompagnateur, qui est toujours accompagnateur. Donc, chez vous, vous avez rencontré des artistes, vous avez rencontré des chanteurs. Chanteurs, pas seulement chanteurs, des musiciens. Oui, oui. It was very fascinating for me when I was a small boy. C'était absolument fascinant pour moi lorsque j'étais enfant de les rencontrer. Очень интересно. C'est très intéressant. Ils étaient quoi, des chanteurs de cabaret? В России, я могу сейчас по-русски, потому что это русская тема. В России есть особый вид entertainment. Это называется эстрада. Oui, il y a ce qu'on appelle, les variétés s'appellent эстрада en Russie, donc il y a... Эта эстрада в себя вся объединяет очень много... Toutes ces variétés réunissent beaucoup de... Разных представлений. Beaucoup de genres. Там могут быть и акробаты, могут быть... Il peut y avoir aussi bien des acrobates que... Ballet. Que des danseurs. И вот жонглёр. Et, конечно, очень много вокального искусства. Et beaucoup, conférences. Beaucoup d'expressions vocales, conférenciers. Conférenciers. И когда я был мальчиком, у меня было много контактов, особенно с певцами, потому что папа приводил, акробатов домой не приведешь. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de contacts avec les chanteurs, parce que mon père les ramenait à la maison. Évidemment, les acrobates, c'est difficile à ramener à la maison. У нас было только 8 квадратных метров. Nous n'avions que 8 mètres carrés. On va essayer de recomposer un peu ces moments-là. Alors, vous êtes plusieurs Russes ce soir ici, sur ce plateau, vous les avez invités. Il y a votre ami Alexandre Zinoviev, Maxime Shostakovich, le fils du grand Shostakovich, votre ami Yves Montand. Et j'ai pensé qu'il était bien, et vous allez vous être d'accord parce que vous êtes allé l'écouter, que nous puissions accueillir Ludmila Lupato. Oui, nous avons découvert, oui, oui, nous avons découvert il y a quelques semaines. Je voudrais exemplifier, oui. Expliquer tout ce que mon père a fait, oui, fait maintenant aussi. Alors, c'est un très bon exemple, très grande chanteuse de chansons, de chansons que mon père accompagne. Et oui? Lorsque vous entendez ces chansons, vous êtes russe. Oui, oui, oui. Ludmila. Синенький скромный платочек падал с опущенных полей. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы расставались с тобой. Нет прежних ночек, где ж ты, платочек, милый, желанный, родной. Ты уезжаешь далеко, слышу прощальный звонок. Пишешь, мой дружочек, несколько строчек, ласковый свет. Порой ночной мы расставались с тобой. Нет прежних ночек, где ж ты, платочек, милый, желанный, родной. Помнишь дни нашей разлуки? Ты принесла мне к реке сладких прощальных гость незабудок в шелковом и синем платке. И мне не раз снилось перед утренний час звезды, цветочки, пудри, платочки, девичьих ласковых глаз.
succès. Смеялся мне сам. Подвенечному вам. В этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море. Звезды в сердце моем. Шелест листвы или ветра порывы. Чуть ты душой остраса главарю. Взгляды усталый, устал, молчаливый, милый, о, друг мой, люблю. Regardez, vous étiez vraiment très attentif et très ému. Cela vous rappelle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Oui, sans doute. Vladimir Ashkenazy, vous êtes passé à l'Ouest le 2 juillet 1963. Vous aviez 26 ans et vous pensiez que c'était tout à fait nécessaire de partir. Now I'll speak English because it's too complicated. Ça, c'est pour passer du côté de l'Occident que vous parlez en anglais, là. D'accord. Enfin, vous avez compris. Alors. when I stayed in the West, it wasn't a conscious decision. Lorsque j'étais à l'Ouest, c'était pas une décision consciente que je prenais là. It was an intuitive. C'était quelque chose de plus intuitif que cela. I didn't know the West too well, and I was too young to know. Je connaissais pas bien l'Occident, j'étais beaucoup trop jeune pour bien connaître, de toute façon. Whatever maturity is, maybe I'm not mature now, then I was even less mature. Mûr maintenant, mais j'étais encore bien moins mûr à cette époque-là. But intuitively I felt that I would be freer in the West. Mais je sentais intuitivement que je serais beaucoup plus libre à l'Ouest. And I was right. Well, et j'avais raison. To be free, of course, is a very general term. C'est un concept très général, être libre. But for a young person, it was all in generalities, basically. Mais les jeunes raisonnent en généralité, en fait. So I made that decision and I never regretted it. J'ai pris cette décision, je l'ai jamais regretté. That's how much I can say about that voilà moment. Voilà, ce que je peux dire. Vous n'avez jamais voulu revenir en Union soviétique, parce que vous savez ce que vient de déclarer Horowitz. Horowitz va donner deux concerts à Moscou, à Leningrad, parce qu'il a dit je veux revoir mon pays avant de mourir. I think it's wonderful that Horowitz goes back. Je trouve que c'est merveilleux que Horowitz retourne. But when he left Russia, he wasn't a Soviet citizen. Mais quand il a quitté la Russie, il n'était pas citoyen soviétique. So the Russian authorities can't have much bitterness against alors, him. Je crois qu'on n'a pas trop d'amertume en Union soviétique contre lui. But I was Soviet when I left, so of course there is a barrier. Mais moi, j'étais un soviétique quand je suis parti, et là, il y a une barrière qui reste tout de même. Lorsque vous choisissez vos amis, vous savez très bien ce que vous faites. Il y a toujours une très bonne raison. Alors ce soir, nous avons auprès de nous Zinoviev, Shostakovich et Yves Montand. Et Yves Montand, vous l'aviez écouté à Moscou. À Moscou, il y a, je crois, 25 ans ou 30 ans, je ne me rappelle pas. Mais je rappelle très clair, dans la salle Tchaïkovski à Moscou, Yves Montand, qui était très populaire, fantastiquement populaire en Russie, a chanté beaucoup de chansons. Et une, je rappelle très bien, c'est une chanson de la guerre ou du soldat, quelque chose comme ah, ça. Oui. C'était quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Yves Montand, vous pouviez prévoir à ce moment-là l'attitude qui serait la vôtre après.
Mais écoutez, on était déjà ébranlés à ce moment-là. Je trouve que Simone l'a écrit remarquablement bien dans Nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire, on se souvient d'une discussion que nous avons eue avec Sartre avant de partir. Il disait, qu'il résumait ça en deux phrases, si vous partez, vous cautionnez les Russes, si vous restez, vous cautionnez la droite. Voilà. Et en fait, je suis parti parce qu'il y a eu un... Bon, vous lirez le livre, vous verrez, ça sera expliqué dedans. Non, c'est-à-dire qu'on était déjà... Oui, nous étions déjà échaudés très fort. Et puis, évidemment, pour une petite raison qui était le fait qu'on m'interdisait de faire un film, on refusait de faire un film avec moi, qui était Modigliani de Jacques Becker avec un scénario de Janson, si je partais là-bas. Alors ça, c'est okay. Il ne fallait pas me dire ça, surtout pas ça. Et nous sommes partis. Voilà. Prenez-moi Alexandre Zinoviev, sociologue, philosophe. On peut dire de lui qu'il a analysé, qu'il a voulu démonter tous les rouages du système totalitaire, enfin des idéologies. Plusieurs livres de lui sont connus. Il vit aujourd'hui à la On se souvient des Hauteurs béantes, c'est son premier livre. Puis il y a eu L'Avenir radieux, et vous avez eu avec cet ouvrage Le Prix Médicis étranger. Il y a d'autres livres, un livre qui va paraître, je crois, le mois prochain, La route du Golgotha, le Homo Sovieticus, qui est un livre très important. Et je voudrais savoir si vous considérez que l'Occident est sage. Je vous ai toujours dit qu'on ne s'en rendait pas, on s'en rendait pas compte en Occident de ce qui se passait. Нам кажут, что на Западе не дают себе люди отчет, что происходит. Отдают отчет, но немного. Ils s'en rendent compte, mais pas beaucoup. Чуточку начинают понимать. Commencent un tout petit peu à comprendre. И тут же бросаются в такие заблуждения, из которых immédiatement выбраться практически невозможно. Ils sombrent dans des errements dont on ne peut plus sortir. На Западе Советский Союз представляют таким, каким хотят его видеть. En Occident, on se représente l'Occident et on présente l'Occident tel qu'on voudrait le voir. А не таким, каким он является на самом деле. Pas tel qu'il est en réalité. Он не хуже и не лучше на самом деле. Il n'est ni meilleur ni pire en réalité. Он просто другой. Il est autre, tout simplement. Mais Alexandre Zinoviev a parfois quand même des vues. Hein. Un peu rapide et un peu dur, il dit que l'Occident est faible et surtout l'Occident est incapable d'utiliser sa force. Ce qui veut dire que nous sommes incapables de faire la guerre. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, voilà ce qu'il voudrait, lui. Non, non, vous часто говорите, что мы слишком слабы и мы не хотим свою силу вообще показать, не способны ее выразить. Запад, он и слаб, и силен. L'Occident, il est à la fois faible et fort. Сейчас я смотрю на возможности Запада более оптимистично, чем раньше. Maintenant, je considère les possibilités de l'Occident d'une manière plus optimiste qu'auparavant. Запад способен себя защитить. L'Occident est capable de se défendre. И будет защищать. Et il va se défendre. Если вы не возражаете, я вам расскажу две очень короткие истории. Vous n'avez rien contre, je vous raconterai deux très courtes histoires. Я сейчас живу в Германии. J'habite en Allemagne en ce moment. Ну, я живу в Германии потому, что по-французски знаю только две фразы. J'habite l'Allemagne pourquoi? Parce que je ne connais que deux phrases en français. C'est la vie. C'est la vie. Et chercher la femme. C'est la vie, chercher la femme. Ce sont deux jolies phrases. Если бы я знал больше, я бы немедленно перебрался во Францию. Si j'en savais davantage, je viendrais immédiatement déménager en France. Вот я не так давно выступал в одном немецком городе. Il n'y a pas longtemps, j'avais une conférence dans une ville d'Allemagne. Один из моих слушателей сказал, что в случае советской интервенции он поднимет руки. Et un de mes auditeurs a dit qu'en cas d'intervention soviétique, il lèverait les bras. Ему аплодировали. Et on l'applaudit. Через несколько дней я выступал в другом немецком городе. Et quelques jours plus tard, je me suis présenté dans une autre ville allemande. Я сказал, что в случае советской интервенции я буду воевать против советской армии. Moi, j'ai dit qu'en cas d'intervention soviétique, moi, je me battrai contre l'Union soviétique. Мне тоже аплодировали. On m'a également applaudi. Кому будет аплодировать Германия в случае реальной войны, трудно сказать. À qui l'Allemagne applaudira-t-elle en cas de guerre réelle, il est difficile de le dire. Но я на 100% уверен в том, что Франция будет аплодировать мне. Mais je suis sûr à 100% que la France, c'est moi qui l'applaudira. Vladimir Ashkenazy, vous ne pensez pas quand même, bon, vous avez souffert, vous,
Vous dites que vous ne pouvez pas rester dans ce pays, et vous l'avez prouvé, vous êtes parti. Mais vous êtes devenu vraiment très ennemi de ce système soviétique. De cœur, d'âme, d'esprit. C'est un mot trop fort d'être ennemi. Ah ben, choisissez un autre mot. Vous devez être un peu de droit. Non, je n'ai pas ce genre de concept. J'espère de vivre avec des idées comme M. Zinoviev. Je voudrais considérer les choses de façon objective, de façon scientifique. Évidemment, il faut bien que j'ai mes opinions propres de temps en temps. Mais elles doivent avoir une base scientifique. То, что эмоционально у меня было очень много плохого в России. Но было что-то и хорошее. Я не могу просто так сказать, я враг России. Non, tout ce qui est émotionnel, j'ai eu beaucoup de choses mauvaises, mais j'ai eu beaucoup de très bonnes choses en Russie. Je ne peux pas dire d'avance, je suis un ennemi, ça serait bête. То, что я считаю, что я должен быть на Западе, это не значит, что я враг России. Le fait que je considère que je dois vivre en Occident, ça ne veut pas dire que je sois un ennemi de la Russie. Колоссальная масса людей, и господин Зиновьев со мной согласится, колоссальная масса людей в России предпочитала бы всегда жить в России, даже если бы их спросили о выборе. Il y a énormément de gens, et M. Zinoviev sera d'accord avec moi, qui, si on leur demandait, diraient qu'ils préféreraient vivre en Russie. Но для людей моего порядка, вот я бы хотел спросить господин Зиновьев, дать ему такой вопрос. Mais je voudrais poser cette question à M. Zinoviev. Как он считает, почему так много людей из России культурного порядка, вот как я, писатели и так далее, и так далее, уехали на Запад и продолжают уезжать. Pourquoi tellement de gens cultivés, des artistes, des écrivains ont quitté la Russie et continuent à la quitter? Александр Зиновьев. Это явление не случайно, конечно. Oh, ce n'est pas un hasard. Коммунистическое общество в принципе враждебно гению. La société communiste, par principe, s'oppose au génie. Оно стремится занизить гения до уровня посредственности. Elle fait tout pour anéantir, pour abaisser le génie jusqu'à un niveau moyen. Даже самых успешных в житейском отношении выдающихся деятелей культуры все равно унижают до уровня посредственности. Même les plus importants, on les abaisse jusqu'au niveau vraiment moyen. Поэтому бунт гения против условий этого общества. C'est pourquoi la révolte du génie contre les conditions de cette société est une des важнейших форм оппозиции. C'est une des formes les plus importantes de l'opposition. Vous savez, я помню, это было больше 20 лет назад. Je me rappelle, c'était il y a plus de 20 ans. Мы узнали о том, что Владимир Ашкенази остался на Западе. Nous avions appris que Vladimir Ashkenazi était resté en Occident. Эффект в кругах московской интеллигенции был колоссальный. L'effet produit dans les milieux de l'intelligentsia moscovite était énorme. Мы пили за здоровье Ашкенази. Nous avons bu à la santé d'Ashkenazi. Желали ему успеха. Et nous lui avons souhaité du succès. Сейчас on этого не знает. Сейчас я пользуюсь случаем, чтобы сказать. Et maintenant je profite de l'occasion pour dire. Я ужасно рад, что Владимир Ашкенази добился выдающегося успеха. Je suis très heureux de savoir que Ashkenazi a un succès. Это не просто его личное дело. Ce n'est pas son affaire personnelle seulement. Это вклад в нашу борьбу в Советском Союзе. C'est un apport à notre lutte en Union soviétique. И позвольте еще пару слов. Et permettez-moi encore deux mots. Я, между прочим, присутствовал на том концерте Ива Монтана в зале имени Чайковского. J'étais à ce concert d'Yves Montand dans la salle Tchaïkovski. J'étais tous. И опять-таки хочу обратить внимание на то, Je dois attirer votre attention. Какую огромную социальную роль играет искусство. Sur l'importance d'ordre social que joue l'art. Yves Montand, vous avez écouté, vous êtes vraiment très intéressé par cette oui, affaire. Oui, je suis intéressé par ça parce que je crois que ça pourrait se résumer en une phrase lorsqu'il a essayé de répondre par rapport à son pays. Je crois avoir trouvé une formule, enfin une phrase qui est que c'est dur d'être anti-soviétique, surtout quand on n'est pas anti-russe. Ne pas mélanger... Voilà. Ne pas associer le peuple et mais il faut rester ferme là-dessus et je ne pense pas du tout que, si on a bien compris les propos de M. Zinoviev, qu'il souhaite un conflit ou quelque chose de ce genre. Absolument pas. Il souhaite au contraire, et c'est le but recherché justement, c'est que l'Occident
ne tombe pas dans une forme de naïveté qui pourrait lui coûter beaucoup trop cher, qui reste ferme, c'est tout. Faire du commerce, tout ce que vous voudrez, mais ferme. Voilà. Je le sais, Yves Montand, vous partez pour Oslo la semaine prochaine et encore pour une cause dramatique. Oui, c'est-à-dire l'acconditionnement de certaines personnalités du monde scientifique en Russie, en particulier les Juifs, qui font entre 3, 5, 6, voire 17 ans de camp, et notamment le cas d'un... C'est un peu pour ça aussi que je suis là, en dehors du plaisir que j'ai eu à retrouver, c'est ce qu'il a dit, M. Zinoviev et M. Shostakovich, l'autorisation, la permission de lire cette lettre, je crois qu'elle vaut la peine d'être lue. C'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi c'est tellement dur d'être anti-soviétique, surtout quand on n'est pas anti-russe. Mais les faits sont les faits. C'est une lettre écrite par Mme Tatiana à M. Zakhar Zunshine. Qui est un biologiste, enfin scientifique. Un physicien. Qui a simplement demandé l'autorisation de quitter son pays pour aller en Israël. Vous n'avez rien à lui reprocher. C'est dans la constitution soviétique, vous pouvez le demander. Mais en tant que vous le demandez, vous devenez un ennemi de l'Union soviétique. Et donc vous risquez la prison. Et ce qui est arrivé. Et y compris les enfants qui sont rejetés de l'université. Voici cette lettre, cette femme, qu'elle adresse à l'Ouest et qui sera lue en anglais à Oslo. Pouvez-vous imaginer que vous ayez été arrêté et jeté derrière des barreaux d'acier parce que vous désiriez quitter votre pays? Pouvez-vous imaginer d'être jugé à huis clos sous des inculpations mensongères sans défense légale? Pouvez-vous imaginer d'être gravement malade et privé de soins médicaux, délirant de fièvre sur une paillasse infestée de poux, dans la cellule d'une prison surpeuplée de récidivistes? Pouvez-vous imaginer devoir protester par une grève de la faim pour obtenir un peu d'aspirine? Pouvez-vous imaginer qu'on vous laisse pourrir au secret dans des cachots non chauffés, humides et glacés? Pouvez-vous imaginer d'être amené à un état d'épuisement total après avoir perdu le quart de votre poids à la suite d'interminables séjours au cachot et de continuelles grèves de la faim? Pouvez-vous imaginer combien, après chaque séjour dans l'obscurité et la solitude du cachot, la lumière du jour blesse vos yeux et votre cerveau comme la lame d'un couteau? Pouvez-vous imaginer que l'on mette à l'épreuve vos plus profondes convictions et votre maîtrise à coups de bottes cloutées? Pouvez-vous imaginer que vous deviez boire l'eau des radiateurs à défaut de toute autre chose, que 5 personnes doivent manger avec une seule cuillère? Pouvez-vous imaginer que vous soyez hermétiquement coupé du monde extérieur, jeté depuis 7 mois au cachot dans la prison du camp de travail où le règlement exige que vous restiez debout toute la journée? Pouvez-vous imaginer que vous soyez pratiquement privé du droit au courrier et aux visites des proches parents, qu'en 1 an et demi vous n'ayez eu qu'une fois la possibilité de voir votre femme? Pouvez-vous imaginer que dans le camp vous travaillez dans de telles conditions que vous ayez le sentiment que très bientôt on vous condamnera à le faire avec un câble à haute tension enroulé autour du cou en guise de nœud papillon? Pouvez-vous imaginer que tout cela vous arrive chaque jour, chaque heure, chaque minute? Voudriez-vous, pourriez-vous faire cela? Si vous ne pouvez pas l'imaginer, alors mes appels au secours auront été vains. Mais dès lors que vous l'aurez imaginé, vous ne pourrez plus négliger mon appel à l'aide pour mon mari Zakhar Zunshine. Vous comprendrez qu'il y va de son honneur, du respect de lui-même et de sa vie. Vous partez donc pour Oslo la semaine prochaine avec Elie Wiesel et... Elie Wiesel, il y a une très grande conférence où je vais lire cette lettre en anglais. Et vous croyez, vous savez, j'aurais bien préféré aller en Norvège, dans les pays scandinaves, où je dois y aller depuis fort longtemps pour m'y produire et y chanter. Mais je pense que ce sont des choses qu'il faut faire. Et je pense que, quoi qu'il en coûte, il faut le faire et le dire. Pour garder précisément les gens en éveil, encore que les gens sont tellement assommés continuellement que l'indignation commence à se fatiguer un petit peu. Mais il faut le faire et le dire. Il fallait pour cette soirée, dans cette soirée, vous le souhaitiez, Vladimir Ashkenazy, ce moment de réflexion, mais vous souhaitiez aussi que Yves Montand puisse vous offrir cette chanson que vous aimez. Un peu, si c'est possible. Je vais essayer, je veux bien. Je vais vous chanter ça a cappella. Quelqu'un peut me donner un ré, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Avant de revenir à la musique, je voudrais noter et dire cette petite phrase de Nouraïev. Je ne retournerai plus jamais dans mon pays, mais je ne serai jamais totalement heureux ailleurs. Et sans doute, comprenez-vous cela tous. Maintenant, la musique, Vladimir Ashkenazy, vous allez rejoindre l'Orchestre National de France et jouer le deuxième et le troisième mouvement du concerto en ré mineur de Mozart. Ré. Ré.
Je vous rappelle que ce grand échiquier consacré à Vladimir Ashkenazy et à l'Orchestre National de France est également diffusé sur France Musique. Beethoven, pour commencer, puis Chopin, à l'instant Mozart, tout à l'heure Strauss, pour terminer Moussorgski, mais vous aimez aussi la musique française, Fauré, Ravel, oui, Debussy. Debussy, Ravel. Je dirige beaucoup de musique française. J'ai aussi enregistré un disque de Ravel, Gaspard de la Nuit, Vals Noble et Sentimental. J'aime beaucoup. Mes intérêts sont разнообразны. Mes intérêts, mes goûts sont très variés. Le jazz, самый лучший jazz. J'aime le jazz, le meilleur jazz. Pianiste. J'aime le pianiste. Et le Fitzgerald. Vous n'avez jamais considéré que la chanson, le jazz, étaient des genres mineurs? Non, jamais. Alors Ella Fitzgerald chante Caravane, c'est le morceau que nous avons choisi et nous l'avions suivi avec André Frédéric et vous allez retrouver ces images là sur votre écran. J'espère que vous la retrouverez telle que vous l'aimez. The shine above so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this mystery of our caravan. Vladimir Ashkenazy, Maxim Shostakovich. Et Maxim Shostakovich, qui est né à Leningrad, vit aujourd'hui aux États-Unis. Il est d'ailleurs directeur musical de l'orchestre de la Nouvelle-Orléans. Et je crois savoir que lorsqu'il a fallu choisir, lui a choisi. Il avait commencé comme pianiste. Il a obtenu, je crois, le premier prix des chefs d'orchestre du RSS. Et puis il s'est dit, allez. Je prends la baguette et j'abandonne le piano, c'est cela? Moi, je me souviens de Maxime depuis mon école encore. Nous étions assez bons amis. La musique de Shostakovich, c'est évidemment une partie de notre vie. Quand je sais que Maxime était resté en Occident, Я был в большой степени доволен, что я смогу с ним общаться. Content,
parce que je savais que je pouvais le côtoyer. Не только потому, что он сын великого Шостаковича. Pas seulement parce que c'est le fils du grand Шостакович. Потому, что он сам талантливый человек. Mais parce que c'est un homme de talent lui-même. И очень приятный человек. Et un homme très agréable. Я хотел, чтобы он продирижировал что-то. Je voulais qu'il dirige quelque chose, une œuvre de son père. Так что он... Il est, vous annoncé, oui. Oui, il est venu de New York pour diriger cette œuvre, donc Maxim Shostakovich qui dirige le final de la 5e symphonie de Dimitri Shostakovich, à la tête de l'Orchestre National de France. Thank you.
Maxime Chostakovitch à la tête de l'Orchestre National de France dans le final de cette cinquième symphonie de Dimitri Chostakovitch. Alors il doit y avoir une responsabilité à jouer son père. Pour moi, c'est grand plaisir de jouer. Mon père, toujours, c'est trop difficile de parler après cette musique. Oui, je dois dire, c'est remuant. Vous connaissez la façon de... D'exprimer chez le compositeur, c'est le, même comme la façon de composer, parler, c'est toujours... Quand je dirige mon père, je sens comme il reste près de moi. Parce que le langage de musique, le langage de compositeur, leur façon de parler, c'est même. Et Vladimir Ashkenazy, vous l'avez joué, vous l'avez dirigé, cette symphonie. Oui, oui. Content? Oui, très content. C'était bien. Très, très content. Alors maintenant, il y a des affinités chez vous. Vous avez beaucoup d'amis, des gens vraiment qui vous touchent de très près et avec lesquels vous avez la chance de partager ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire la musique. Et là, je pense à Isaac Perlman, le complice. Beaucoup de amis, oui. J'ai joué beaucoup avec Isaac Perlman. Presque tout le répertoire avec pour violon et piano. Nous avons joué tous les Beethoven, Franck, Debussy, Prokofiev, Shostakovich, et Brahms aussi. Nous avons joué tous les trois sonates de Brahms à Paris il y a 3 ans, je crois. Alors, il ne pouvait pas venir ici, il est en Amérique maintenant. Mais nous avons profité. Nous avons profité. Il y a quelques jours, oui. Nous vous avons rencontrés tous les deux. Nous avons enregistré le. Nous avons été très voyeurs. Et nous avons enregistré la sonate en ré mineur pour piano et violon de Brahms, le premier, premier mouvement. Et on voit que il y a entre vous deux plus que de l'amitié.
Pour cette sonate en ré mineur de Brahms, nous avions choisi l'hôtel du crayon, vous vous rappelez? Oui, bravo Ishtak. Perlman. C'est une histoire. Ah bon? In the festival hall in London, there was once administrator, an administrator who directeur administratif, who confused names of great artists. Qui confondait toujours les noms des grands artistes. So once Itzhak Perlman played a concert. Alors un jour Itzhak Perlman a joué un concert. He came backstage and et said. Il est revenu après dans les coulisses. Bravo Ishtak. Bravo Ishtak. Everybody knows Itzhak Perlman. Et tout le monde connaît Itzhak Perlman. He didn't know. He was lui, il savait pas. Ça lui était égal. Il était que en fait directeur administratif. Festival Hall. Ça peut arriver. Festival Hall. Ça peut arriver. C'est vrai. Il a dit Ishtak. Vadim Ashkenazi, vous composez, bon, pianiste, chef d'orchestre, la composition? Non, je ne compose pas du talent. Pas du talent comme compositeur, non. Je ne suis pas un génie. J'ai du talent, mais pas un génie. Ah, pour composer, il faut avoir du génie. Pour être un grand compositeur. Oui. Mais si vous n'êtes pas un grand compositeur, pourquoi composer alors? Vous avez sans doute dû composer un tout petit peu, et ça doit rester dans un tiroir. Comme étudiant, oui. J'avais eu de bonnes notes en composition. 5 sur 5. C'est terrible. Terrible. Alors nous avons en France un remarquable pianiste de jazz, et vous avez voulu qu'il soit près de vous ce soir, Martial Solal. Alors lui, c'est vraiment un maître de l'improvisation. Vous savez que déjà, à l'âge de 6 ans, il improvisait, et même sur une rhapsodie de Liszt. Alors forcément, c'est une chose que vous ne pourriez pas faire, vous. Vous ne pouvez pas vous permettre cette liberté. Non, pas Mozart ou Beethoven. Non. Seulement en cadence, parfois. Cadence, oui. Parfois, oui. J'aime beaucoup les pianistes jazz comme ça. André Previn est très bon ami de mien aussi. Oui. Martial Solal. J'admire beaucoup ces pianistes ici. Martial Solal. Et vous allez reconnaître, peut-être, car il improvise beaucoup sur le thème, il était un petit navire.
Solal, alors comment réagit le pianiste classique? Fantastique, fantastique, tout à fait fantastique. Vous avez également près de vous ce soir une amie suédoise, une cantatrice, Elisabeth Söderström, et on sait qu'elle avait commencé sa carrière à Salzbourg, ensuite aux États-Unis. Boulez, elle a fait sa Mélisande, et puis vous avez avec elle beaucoup travaillé. Vous avez enregistré, je crois, l'intégrale des mélodies de Rachmaninov. Oui. Et qu'avez-vous fait encore avec elle? Oh, beaucoup de choses. J'ai joué des récitals avec elle. I'll speak in English a bit here. My dream has always been mon rêve a toujours été to play with a wonderful soprano. De jouer avec une soprano merveilleuse. I'm rather soft for a wonderful soprano. J'ai un petit voice, faible generally. Pour les belles sopranos, vraiment, belles voix and, sopranos. I heard Elizabeth once in an opera. J'ai entendu Elizabeth un jour dans un opéra. I loved her singing very much. Et j'ai vraiment énormément aimé sa façon de chanter. And so I asked my company, Decca Records, j'ai demandé Marico, à Decca Records whether they would be interested in recording Rachmaninoff. S'ils seraient intéressés, que nous enregistrions ensemble les mélodies de Rachmaninoff. Elizabeth says I'm half Russian, half parce Swedish. Parce qu'Elisabeth est moitié russe, moitié suédoise. She speaks Russian and she elle can sing. Parle she can le sing russe. Elle peut chanter dans toutes les langues, de toute façon. So we recorded all donc, nous avons enregistré toutes les chansons de Rachmaninoff et nous avons joué ensemble très souvent. And, tonight we'll do some Rachmaninoff. Ce soir, on va faire du Rachmaninoff, mais d'abord, deux des leaders de Strauss. Alors le 1 et le 3 de Strauss, et après, en fin de soirée, Rachmaninoff. À la tête de l'Orchestre National, Vladimir Ashkenazy et Elisabeth Söderström. Schlag und deinen Mord.
vous aimez le Bonapris et pourtant, vous n'aimez pas l'opéra. Ah bah. J'aime quelques opéras, mais... On me l'a dit, on me l'a soufflé à l'oreille. Comme priorité, ce n'est pas mon première priorité. Ah, pour quelle raison? Oh, c'est difficile à expliquer. Non. Non, mais parce que c'est étrange quand même. En anglais. Étrange. It's a whole concept of my attitude to music. C'est tout le concept de mon attitude vis-à-vis de la musique. No, music, in my opinion, has to express. De ce que la musique, selon moi, doit exprimer, doit nous donner. I love the human voice very, very much. J'adore la voix humaine. Things like this leader, some very pure, simple, direct expression. Une expression très pure, très simple, très directe. I love. Many operas. I don't like opera as a concept. Beaucoup d'opéras, mais j'aime pas l'opéra en tant que concept. C'est ça mon problème. I run a great risk of being very unpopular. Alors, je cours un grand risque. Je ne vais pas être très populaire et même je risque d'être assassiné par un amateur d'opéra. Mais il faut être sincère. I don't mean it aggressively. Non, je ne veux pas être agressif. Mais c'est seulement mon attitude vis-à-vis de l'opéra, c'est tout. For me, too much acting and singing at the same time doesn't ring true. Quand on joue trop et on chante trop en même temps, c'est pas sincère. Mais elle va me tuer maintenant. She'll kill me now. Elle va me tuer. But it's just the way I'm born. Mais je suis fait comme ça. J'y peux rien. I will not impose my opinion anyway. Je ne vais pas imposer mon opinion à qui que ce soit. There are wonderful opera artists. Il y a des opéras, il y a des merveilleux. Popular forever, marvelous people, geniuses. Des génies, des gens extraordinaires. La Dame de Pique, ça va. Oh, there's a lot of good music there. Oui, il y a beaucoup de bonne musique. Fidelio, Mozart, Fidelio, Wagner, c'est fantastique. Richard Strauss. Christopher Nepal, il a toujours été comme ça? Oui, je pense, oui. Parce que vous connaissez bien, parce que depuis 20 ans, vous travaillez ensemble. Même plus, mais nous avons fait des films depuis juste 20 ans, en mois de mars. Ouais. Vous le suivez donc depuis ce temps-là. Et on va voir quelques-unes de ces images qui dessinent une biographie. On va voir deux gamins, d'abord, il s'agit de Daniel Barenboim et Vladimir Ashkenazy. On verra que les visages n'ont pas tellement changé. Ça, regardez. Although Vladimir Ashkenazy now lives here in North London, he first became widely known in this country when he shared the Tchaikovsky Prize with John Ogden in Moscow in 1962. But this was not the first of his big successes. At 17, he had won second prize in the Chopin competition in Warsaw, and the following year, the Queen Elizabeth of the Belgians prize at the Brussels competition. On his most recent tour, which lasted over 3 months, he took his entire family with him, including his baby daughter, Nadia. For in spite of world tours, he keeps very close to them and manages to spend much of his time with them at his home in Hendon. So it's here, 2 days before the Fairfield Hall concert, that he and Daniel Barenboim get together for their first rehearsal. Comment jouiez-vous à l'époque là? Parfois bien, parfois mal, comme maintenant. Non mais au concours là, parce que là, quand même, c'est un souvenir précis. Au concours, au Tchaïkovski? Oui. Je ne jouais pas bien le concerto, mais j'avais le premier prix alors.
It wasn't important how I played. Alors, la façon de jouer, ça compte pas. On s'aperçoit que votre femme est toujours près de vous. Or, elle était une pianiste, une grande pianiste, et elle a sacrifié sa carrière. Vous y pensez de temps en temps? Oui, je crois. Yes, I thought it was a sacrifice. Oui, c'était un grand sacrifice pour ma femme qu'elle ait cessé de jouer, oui. But elle avait du raison. She decided that the only way that marriage could stay. Et elle a décidé que la seule façon de pouvoir sauver notre mariage, en fait, le mariage continue. So that she should stop playing. Otherwise, if she travels and I travel, then there's no marriage. Si elle voyage, je voyage. Et vous avez eu une salle que vous connaissez tous, parce que c'est dans cette salle Tchaïkovski que vous avez chanté, vous, Yves Montand. Oui. Christopher Loppen, c'est facile de travailler avec Vladimir Ashkenazy? Absolument. Depuis 20 ans, on n'a pas eu un seul problème. Pourtant, vous travaillez avec beaucoup d'autres, alors vous pouvez comparer. Oui, je peux. C'est peut-être pas très, très sage, mais je peux dire qu'avec lui, je n'ai pas eu un problème. Il a une certaine humilité face à la musique, mais il a aussi un véritable respect pour chacun et chacune qui travaille dans l'orchestre, dans l'équipe. Et ça donne quelque chose au résultat, parce que c'est compliqué, film. Et si les musiciens ne donnent pas vraiment un respect à les impératifs du film, on perd toujours quelque chose. Alors Christopher Loppen est norvégien. C'est l'un des grands réalisateurs de la BBC, et il a tourné tous ses films, enfin pour le monde entier. Alors, une émission comme celle-ci existe en Angleterre, aux États-Unis? Comme Grand Échiquier? Oui, on fait une émission musicale. Oui, il y a, mais il manque maintenant le courage à faire une chose si grande comme ça. Voilà, il y a... 3 heures, ça voulait dire. Oui, absolument pas. Il y a des concerts, naturellement, mais on a en général... des, comment dit-on en français, magazine programs, avec avec des petits morceaux. Je respecte beaucoup ce que vous faites ici en France. Non, ça c'est trop cher. J'admire beaucoup. Bon, alors maintenant, on va repartir. Non, mais ça c'est pour la musique. Ouais. Oui, c'est ça que la télévision peut faire pour la musique. On va repartir maintenant pour Anvers. Et là, vous avez suivi, enfin comme vous le suivez sans arrêt forcément, vous êtes dans tout... Je ne pouvais pas jouer cette pièce maintenant tellement bien. C'était peut-être la meilleure prestation qu'il a donnée jusqu'alors. C'était parce que c'était pour nous un moment très nerveux. Nous avons tous été très nerveux. Nous avons pris sur la scène en direct avec un seul caméra, une seule fois. Et c'était vraiment à cause de ça, je pense. Mais il ne veut plus le refaire. S'il joue maintenant, vous n'essayez pas si vite que ça. Non. Je ne joue pas cette étude. Mais vous êtes attentif à la continuité de votre carrière, parce que je sais que vous avez un matériel audiovisuel très important chez vous, et vous regardez tous vos films. C'est bien de regarder ce que l'on a fait il y a 20 ans, et ce que l'on fait aujourd'hui. C'est intéressant. Oui. C'est nécessaire. Nécessaire, non. Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a la question bateau. Le piano, l'orchestre, bon, on ne vous demande pas de faire un choix. Vous avez la chance de pouvoir exercer dans les deux registres. Oui. Mais s'il fallait quand même, où va la préférence extrême? Je ne sais pas, c'est difficile. Parce que c'est très difficile de jouer un instrument. C'est très difficile de jouer bien. Alors c'est un challenge. C'est un défi. Hein? So that was a challenge. I'm a person of challenges. I probably would lose all respect for myself. J'ai constamment des défis et je perdrais probablement tout respect de moi-même. If I chose just to conduct. Et si je décidais uniquement d'être chef d'orchestre. And self-respect is very important for me. Et mon respect de moi, c'est très important pour moi. Life is a funny thing, of course. La vie, c'est très drôle. Les circonstances peuvent vous présenter such a situation where you have to be rather a realist. Une situation telle qu'il faut être assez réaliste. If at some point I feel that I don't play up to certain Et international si, standards, à un moment donné, j'ai l'impression que je ne joue pas en respectant des normes, en fait, à ce moment-là, j'arrêterai. Then self-respect will shift into another category. Et à ce moment-là, je crois que mon respect de moi, ça passera vers une autre catégorie. Therefore, I have self-respect if I'm honest. Il me faut être honnête. Mais il y a également une grande responsabilité. Admettons qu'un soir, vous soyez fatigué, ce qui peut arriver à tout le monde, et vous avez un concert à donner. Vous donnez quand même le concert. Et peut-être que vous le donnerez moins bien.
Non. Au dernier moment, on oublie tout. If you're tired one evening and you think you don't play just as well, what happens? I mean, you give a concert anyway, at the last minute, just forget everything. Well, I'm human. I can't play all as well. Je suis humain, je peux pas être brillant. I take it as it comes. As it comes, I try to do my best. Et je fais de mon mieux. C'est la vie. Christopher Lubin, il y a aussi le Sibelius. Le Sibelius, où on le retrouvait à la tête de l'orchestre de la radio suédoise. Et nous avons commencé il y a 5 ans à faire une série de films sur des compositeurs. Ils sont consacrés surtout à des compositeurs, mais ils constituent aussi une sorte de autobiographie sur le développement de Volodya comme chef d'orchestre. Nous avons commencé avec Respighi, puis Moussorgsky. Il doit être difficile de faire la liste des grands orchestres existants aujourd'hui au monde. La liste idéale. Il y a beaucoup d'orchestres qui sont fantastiques. Évidemment, Berlin, Vienne, et les orchestres américains aussi, l'orchestre de Londres aussi. C'est ce que je dirigeais ici maintenant. L'orchestre national de France, très de Radio France. Oui, fantastique, je crois. J'ai vu que ça s'était bien passé dès le départ. Pardon? Ah oui, je crois, oui. C'est à l'arrivée que ça se passe, non? Oui, avec un orchestre. Pas de problème. Oui. Mais il y en a parfois, très non? Concentré, très professionnel, très musical. Et là, il n'y a pas de problème. Mais j'imagine que parfois, vous avez eu des problèmes, non? Ça vient, oui. Oui? Ça vient? Non, ça vient, des problèmes. D'accord, pardon, j'avais mal compris. Vienne. Vous savez, parfois la langue française. Hein. Alors tout à l'heure, il y avait Perlman, près de vous. Maintenant, l'autre copain, Daniel Barenboim. Ah oui. Et lorsqu'on voit les images de tout à l'heure, on comprend que cette amitié existe depuis longtemps, depuis 20 ans. Et là, il s'agit d'un extrait de la transcription pour piano à quatre mains du Sacre du Printemps, de Stravinsky. Mais c'est une chose que vous ne devez pas faire souvent. Non, pas souvent. Là, c'est un enregistrement très rarement, que vous pourriez faire peut-être tous les deux un jour. We've played it before in London once. On joue à Londres une fois. Vous voilà, vous préparez déjà, puis on va vous écouter tous les deux dans cette transcription à quatre mains. Thank you.
Cécile. Mais tout l'orchestre, ils savent comment difficile c'est ça, hein? Le sacre. Mais on vous voit quand même heureux de partager la musique avec des amis. Alors là, cette séquence, nous l'avons enregistrée à Pleyel, puisque Daniel Barenboim est encore comme à peu près tous les artistes en propre tinde. Et je disais tout à l'heure que vous devriez enregistrer tous les deux, mais vous avez déjà fait 100 disques, une centaine de disques. Oui, à peu près. Comme pianiste et chef aussi. Il faut surveiller la production. Pardon? Il faut surveiller de très près sa production discographique. Control. Oh, I don't know. Non. I do what we decide to do together. On fait ce qu'on décide de faire ensemble. Oui. Voilà. C'est toujours oui. Always, he's always say yes. I? Yeah. No, I think. And oui. Then I say yes or no. Je réfléchis, puis après je dis oui ou non. Et maintenant, je vais vous demander, Vladimir Ashkenazy, de rejoindre Elisabeth Söderström pour deux mélodies de Rachmaninov. Ça va, très bien, merci. Ça va? Oui. D'accord.
Les concerteurs de Rachmaninov que vous allez jouer en Écosse dans quelques jours. Mais vous savez-vous que ce morceau est l'indicatif d'une grande émission de télévision, apostrophe, émission littéraire. Vous m'avez dit, aujourd'hui, oui. Et c'est bien peut-être qu'une musique comme ça, installée d'une manière assez continuelle, c'est-à-dire chaque semaine, puisse aller à la rencontre de beaucoup, comme était allé par exemple l'Adagietto de Mahler dans le film de Visconti, non ? C'est une bonne chose, oui. C'est une bonne chose, vous ne la refusez pas en tout cas. Alors je sais que vous aimez beaucoup la littérature, que vous lisez beaucoup. Oui. Vous lisez surtout les auteurs russes pas seulement auteurs russes, non. Je suis très intéressé dans les livres. Ah oui, vous avez voulu parler en français. Livres d'espions. Hein? Les livres d'espionnage. Oui, ouais. D'espionnage. Les thrillers. Spécialement KGB, oui. Mais les histoires vraies, hein? Ou presque vraies. Presque vraies. Hein? Comme Le Carré ou Len Deighton, et toutes les choses qui sont vraies. Autant que Tolstoy ou Dostoïevski. Mais oui, mais c'est une autre chose. Alors, oui, je sais bien. Tout ça. Alors, Vladimir Ashkenazy, si je vous avais écouté ce soir, on aurait encore eu beaucoup plus de documents que ce que nous avons vu. Vous vouliez être entouré par tous ceux que nous avons présentés. Et j'ai laissé passer de côté, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, les buts de Platini. Vous vouliez Platini. Vous aimez le football, hein? Oui, oui. Ouais. Oui. Alors on avait préparé d'ailleurs les meilleurs buts de Platini. Alors qu'est-ce que vous pensez pour la Coupe du Monde? Qui va gagner? C'est en juin, hein? Oh, je ne sais pas. Alors, Brésil peut-être, je ne sais pas. Le Brésil. Alors moi je tiens à vous dire que la France tombe le 1er juin contre le Canada. Ensuite nous jouons contre la Hongrie. Et vous savez contre qui on joue la troisième fois? L'URSS. L'URSS. Ah, je alors, suis désolé. Pour l'URSS ou pour la France? Nous sommes les amis. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, vous n'avez pas répondu, hein? Je ne sais pas, je crois que France est plus fort que l'URSS en football. Maintenant, on va voir. Je crois. On revient à notre place un tout petit peu? Ça va. Parce qu'on va, se donner le temps de déplacer le piano. On va revoir notre petite place. Et puis, il va falloir que nous nous disions au revoir. On a été très très heureux, Vladimir Ashkenazy, de vous accueillir. Moi j'ai lu dans votre livre cette phrase qui me plaît beaucoup. D'abord, est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous êtes professeur? Non, je n'enseigne pas, non. Ça non plus. Alors, pianiste, chef d'orchestre et seulement cela. Totalement donné à la musique. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Il y a cette phrase dans votre livre, que votre cœur soit intelligent et que votre esprit soit bon. C'est, je crois, la maxime que vous revendiquez. C'est votre un peu critère de vie. C'est ça, oui. C'est une phrase des russes poètes. C'est la phrase d'un poète russe. По-русски это звучит, я хочу, чтобы... En russe, la sonne, je voudrais que l'esprit soit bon et que le cœur soit intelligent.
Alors, une dernière question, je la pose à Vladimir Ashkenazy, à Alexandre Zinoviev. Vous pensez que quand même un jour, vous reviendrez en Russie? Je ne pense pas. Moi, je ne reviendrai jamais. Je ne pense pas moi-même aussi. S'il y a un changement politique sérieux, permettront-ils aux artistes de revenir? Господин Зиновьев никогда, я думаю. Это идеологически. Таких изменений никогда не будет. Не будет. Des changements de ce genre, il n'y aura jamais. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Vous êtes très pessimiste. Moi, je suis pessimiste, je suis un fan. Moi aussi. Tragiquement lucide, mais délucide. Pourtant, enfin, il faut laisser toutes les possibilités qui peuvent se présenter, bien sûr, mais ça ne fait rien pour moi. Vos disques sont écoutés en Union soviétique? Non, non. Vos livres sont lus? Ваши книги читают в России, ваши пластинки слушают в России? Да. Non, читают и слушают. Но, on lit, но, on entend, mais... Например, я получил первую премию на конкурсе Чайковского. J'ai le premier prix au concours Tchaïkovski. И когда выпускают книги... Lorsqu'on édite des livres sur les concours. То печатают фамилии всех победителей. En général, les noms de tous les lauréats, mais jamais le mien. И самое интересное, что я разделил первую премию с Джоном Огденом, с английским пианистом. Le premier prix était ex-aequo avec le pianiste anglais John Ogden. Он замечательный пианист. C'est un remarquable pianiste. Но теперь в Советском Союзе он один выиграл. Seulement maintenant, en Union soviétique, il est le seul lauréat du prix. Мои книги не только читают, но за них даже судят. Moi, mes livres, non seulement on les lit, mais on juge pour leur lecture. Je souhaite quand même qu'un jour vous puissiez retrouver, ici ou ailleurs, tous vos amis et tous vos parents. Parce que je le sais, eux vous manquent. Merci, merci mille fois. Merci à vous. Et nous allons terminer avec Moussorgsky.